Bien, ce soir à Paris, un homme s'en est pris d'abord aux alentours d'un petit peu plus de 21 h entre le quai de Grenelle et Bir Hakeim, un couple de touristes étrangers. Un touriste allemand né aux Philippines est décédé par des coups de couteau. Il s'en est pas pris à la femme de ce couple et manifestement à l'intervention d'un chauffeur de taxi qui a vu la scène. Il a quitté ce lieu. Il a ensuite traversé le pont. Là, les policiers sont arrivés. Poursuivi par les policiers, il a ensuite agressé manifestement deux autres personnes dont leur vie n'est pas en danger. Une personne serait blessée d'un coup de marteau au niveau de l'œil et une autre serait particulièrement choquée. Les policiers ont continué à le poursuivre, puis près d'un square, ils ont pu arrêter cette personne, l'interpeller, qui les a menacés très violemment. Et voulant s'en prendre aux policiers, l'un de ces policiers a sorti son taser et par deux fois a tiré pour neutraliser cet assaillant qui donc n'a pas ses jours en danger et pourra donc répondre de ses actes devant la justice. Et dans quelques instants, j'imagine qu'il sera mis en garde à vue. Ce que nous connaissons de l'assaillant, c'est qu'il est français né en France. Il est né en 1997 à Neuilly-sur-Seine. Il est connu des services de renseignement et de justice. Il a été condamné à notre connaissance à 4 ans de prison. C'est l'information que j'ai au moment où je vous parle. Il les a effectués en 2016 parce qu'il avait déjà voulu passer à une action violente, mais qu'il n'avait pas fait puisqu'il avait été interpellé auparavant par la DGSI. Et il est suivi par la DGSI comme personne ayant des troubles psychiatriques très importants. Il était d'ailleurs sous traitement psychiatrique et neurologique. Il a simplement dit aux policiers qui venaient de l'interpeller qu'il ne pouvait plus supporter, manifestement, là aussi je redis ce que l'ont dit les policiers sur place, que des musulmans meurent, tant en Afghanistan qu'en Palestine. C'est ce qu'il a déclaré aux policiers quelques instants après son interpellation.